peut y aller, c'est bon. Oh, plus sérieusement, bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique. Aujourd'hui on part à Budapest. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit on a une coupe du monde à Budapest. Ça commence vendredi, on est mercredi, il est 7h du matin. Et on se prépare à partir dans 2h, excuse-moi, il est 5h26. Donc on a encore un petit moment avant le départ. Et là on va passer au contrôle. Oh, voilà, on a passé tous ces contrôles, tout ça, j'ai rien mangé encore. On va en Hongrie. C'est sympa. Je vais dormir chez un ami chez qui j'étais l'an dernier. Il s'appelle Je sais même plus comment on prononce. Voilà, on est parti, on va embarquer lors de notre avion personnel. On est prêt à partir. Du coup, on vient d'arriver, il est 9h du matin, il va falloir qu'on trouve un truc à faire jusqu'à 17h où Vag va revenir à la maison. Viac. Enfin, je sais même plus. Bref. Du coup, on a un petit moment. Un truc vachement étrange vient de se produire en fait. Mon bagage est sorti en premier. Ce qui m'arrive absolument jamais. J'étais pas prêt. Maintenant, il faut aller dans le centre-ville de Budapest. Donc, vu que je suis déjà venu en dernier, je sais à peu près comment on va faire pour aller. Premièrement, il va falloir que j'aille jusqu'au centre-ville avec un métro ou un bus, puis ensuite je prenne un bus, je sais chez Vac, Viac. Putain, j'ai trop du mal. Puis on verra après. On va faire un changement après, un peu plus tard pour prendre le métro. Puis voilà, on est parti aux arrêts. On est arrivé à la station de métro. Maintenant, il nous reste à prendre le métro, aller jusqu'à la station, un peu d'aller, et puis on sera déjà bien. Chaque fois que je sors d'un métro, un truc dans le genre, j'ai la peur d'avoir genre oublié quelque chose dedans. Ça me met la pression. Tiens, c'est nouveau ça, il n'y avait pas ça avant. Ah. Ok. Super, je connais cet endroit. Ah, je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, le délire, c'est que Viac il arrive qu'à 17h. Et du coup, jusqu'à 17h, j'ai rien à foutre. Du coup, je crois que je vais juste me poser au Starbucks. En attendant que quelque chose de plus intéressant arrive. Parce que j'ai faim. Voilà, ça va être au Starbucks. Prendre un cheesecake. Je crois que j'ai un sérieux problème avec ça. Ouais, si on est dans Budapest, on observe la ville. On dirait Patrick Jorgensen, lui. Bon, on a rendez-vous avec la Turque. En fait, sur le chemin pour arriver jusqu'au Starbucks, en fait, il y avait une fille de Turquie qui était là, vu que de toute façon on est tout seul jusqu'à 17h. Je me suis dit que c'était plus sympa de rencontrer quelqu'un. Sait-on jamais, si un jour je vais en Turquie, c'est plus sympa. C'est toujours plus sympa d'arriver dans un pays où tu connais des gens,
qui vont te faire vraiment découvrir le pays plutôt que une expérience ennuyante tout seul. Je vais en rejoindre. Apparemment, elle est dans un truc de sushi. Donc, pour une fois que j'ai mangé correctement, ça se fait. Puis, on va voir. By the way, how do you even pronounce your name? It's Chiesh. 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 No, not Chiesh. Chi. Chi. Chier. Yeah. Okay, got it. Chier. My life is a movie. In my vlog, yeah. Oh my god, please. No problem. So like, you know, we're having like a World Cup in Budapest like this weekend. It's AP, that's why you don't know. Oh, okay. Right, you know AP, you know, the weapon for like people who don't know how to fence, right? Yeah. And so yeah, you know, it's just like I'm just documenting the thing because I'm fencing for Mali, yeah. Africa, and I'm just documenting my journey to the Olympics, you know. Okay. Yeah, we saw the bag and we're like, wait a sec. Well, yeah. No, I heard the sound. Bag. Yeah. And I was like, it sounds familiar, right? As you say, come on, faster. You're so slow. All right. My name is Chiyer from Istanbul. So we just met on subway with this guy. This guy. You? And we just wandered around in the streets of Budapest. Cold. On top. Thank you. There you go. Take over. Over. Are you comfortable? No. That was a video, by the way. Yeah. This girl is trying to kill me. What? So she says with a smile. Turn around and smile. Donc là, on est tout en haut de la colline budapestique. J'ai ma housse toujours avec moi. Incroyable ce qu'on fait pas. Et ouais, c'est cool. On est arrivé, on va encore avoir une petite pause, je sais pas où on est, j'ai suivi ma pote, Chia, j'ai oublié son nom, je leur demande, et bref, on est allé tout en haut, la vue est juste incroyable, c'est vraiment un truc, c'est vraiment puissant, je suis pas vraiment un gars qui se saisit devant beaucoup de choses, mais c'est impressionnant, et ouais. C'est vraiment beaucoup plus drôle d'ailleurs de faire un truc à deux que tout seul. Parce que tout seul, tu vois le truc une fois, deux fois, tu dis bon voilà, c'est vraiment cool. I don't need anything, but if you offer me anything, I'll take it. No, that's fine, like, I don't need anything, as I told you, so. C'est une bien belle journée.
Bien belle journée, en bien belle compagnie. Bon, on a décidé de laisser mon sac d'escrime ici parce qu'il était lourd et chiant à monter. Et on vient le chercher tard. A plus tard, bébé. Wow. Look at him, you. Donc là, ce qu'on va faire, c'est en faire une expérience sociale, c'est aller à la nage jusque là-bas. On pourrait le faire, mais je risque de mourir si on fait ça. Ça y est, on est dans la chambre. C'est ma chambre. Avec mon balcon sur lequel je vous montrerai une vue géniale demain matin. Budapest City. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a assez fait de choses pour la journée d'aujourd'hui. Je pense que vous n'avez pas vraiment envie de voir beaucoup plus de choses que ça pour passer une bonne journée. En tout cas, quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Just remember that your today's limits are meant to be broken tomorrow. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode à Budapest. Demain, on est jeudi, c'est la veille de la compétition. Je sais pas ce qu'on va faire, je vais essayer de pas trop pousser pour rester en forme sur la compétition. Là, je vais en profiter pour m'étirer juste après cette vidéo. Et puis, on va faire des trucs bien. En tout cas, je vous adore tous. Je vous remercie de regarder mon contenu. Je vous souhaite une super bonne soirée. Si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les en dessous. Et j'essaierai de traiter ça lors d'un vlog ou d'une vidéo à part. Et je vous aime. Passez une bonne journée, force à vous.